Donc voilà, donc j'ai cassé ma moto. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon embrayage. Mon embrayage. Et câble d'embrayage. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh punaise. Allez, des galères. Câble d'embrayage. Je suis dégoûté. L'embrayage qui a lâché. Je suis dégoûté. Je dois pousser. Je suis à plus de 20 minutes de chez moi. Il n'y a personne qui peut venir me chercher. Personne, un camion, personne, une remorque. Je dois pousser. J'espère que c'est câble d'embrayage. Et que c'est pas autre chose. Parce que je trafique rien sur la moto. La moto, elle est saine. Je roule sainement. Et il n'y a qu'un mot pour que ça arrive des couilles comme ça. Attendez, ils trafiquent leur moto. Ils font n'importe quoi. Ils font pas ça dans les règles de l'art. Ils ont rien. J'espère que c'est qu'un punaise de câble d'embrayage. Et que ça va être que ça. Et que c'est pas un truc moteur ni rien. Ou que c'est pas carrément la boîte qui serait niquée ou quoi. En tout cas, maintenant j'ai plus qu'à pousser. Heureusement que j'avais la caméra. Au moins, je peux un peu. Je vais pouvoir montrer comment j'ai roulé. Et voir à cause de quoi ça a fait ça. Puis j'espère que c'est pas un truc trop grave. Bref. En tout cas, voilà. L'embrayage qui m'est resté dans les mains. J'ai pas entendu de claque ni rien, j'ai réussi à remettre mon point mort. Du coup, je peux repartir comme ça. J'ai regardé, y'a pas de pièces sur la route ou quoi. Bon, ça va, c'est pas un serrage. On se retrouve à la maison pour le débrief de ce qui a lâché. Je sais même pas par où je vais rentrer parce qu'il y a des. Je dois passer par des grosses routes et y'a pas de trottoir pour pousser ni rien. Je dois remettre sur la route et. Oh non, on commence pas à faire du bruit. Pousser sur la route. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez tous et toutes bien aujourd'hui. Nouvelle vidéo, bon, vous l'avez vu, titre et miniature, et vous en doutez que c'était la prochaine vidéo. Voilà, regardez où je me suis mis, un cadre idyllique pour vous annoncer une bonne nouvelle. Tu vois, quoi de mieux que de l'eau, de la waterproof pour vous annoncer. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous et à toutes pour les 30 000 abonnés. Il y a une vidéo spéciale qui arrivera où je vous remercie sur ma deuxième chaîne. Le lien est en description, voilà. Je vous ferai un petit truc émouvant et tout avec un peu de musique un peu stylé. Du coup, n'hésitez pas à aller checker la description. Et on est bientôt 5 000 sur Instagram. Du coup, poto, viens nous rejoindre, on est 5 000. Je mets les petites stories de la bécane. Je mets des... Quand je fais des rassos, entre guillemets, je mets des petites adresses et tout pour que vous veniez me rejoindre et tout. Du coup, voilà. Bref, sans plus tarder, on y va. Il y a un peu de vent, j'espère qu'on va m'entendre. J'ai pas pris la caméra, du coup on va filmer à l'iPhone, mais je pense que ça va amplement le faire. Bon, dernière vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça 2 semaines. Vidéo, donc par chance que j'étais en vidéo, la moto, elle a lâché. Donc je me suis fait incendier dans les commentaires en mode « Ouais Léo, c'est quoi ce truc? Tu nous montres pas, tu nous fais un prank et tout. Comment tu veux qu'on t'aide? On voit pas. » En fait, ouais, au montage, j'ai fait la bêtise d'entre guillemets couper trop vite. Du coup, vous pouvez pas voir ce qui s'est réellement passé. Du coup, je vais vous remettre juste après ce qui s'est réellement passé. Et donc, on était là, j'attendais de voir un peu vos commentaires et vous étiez tous à me dire le câble d'embrayage. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé regarder le câble d'embrayage. Bon, c'était pas ça, c'était autre chose. Et il y a beaucoup de personnes qui l'ont trouvé. Et du coup, je remercie toutes ces personnes qui me l'ont dit. Donc, je vais tout de suite vous le montrer, quoi. Voilà, les mecs, la bécane est là. Et donc, devinez, essayez de deviner. Donc là, tout remarche, hein, tout refonctionne. Essayez de deviner qu'est-ce qui était cassé. Hop, tac, tac, tac. Hop, et bah c'était tout simplement ça, les mecs. Donc ça, c'est la butée de sortie d'embrayage, si j'ai bien compris. Et donc, c'est cette pièce-là qui était fendue. Donc au niveau d'ici, c'était un peu cassé. Et en fait, ça tenait pas bien le... Je sais pas comment on appelle ça, là, le pignon, enfin le tube. Ça le serrait pas assez pour que ça embraye. Du coup, bah j'ai dû changer cette petite pièce et tout refonctionnait, les mecs. Regardez. En plus, j'ai repris de l'origine, derby. On va pas mettre un autre truc que de l'origine sur une origine, t'as capté? Regardez-moi ça, les mecs. Est-ce qu'elle est pas belle, là? Je suis trop content. Et du coup, voilà. C'était juste une petite biellette. Non, une petite
buté de biellettes sorties d'embrayage. Enfin, je sais pas trop le terme. Bref, ça coûte assez cher, les mecs. Combien 50 balles. 45 euros là, ce petit truc, de ce bout de ferraille là. Mais sans ça, vas-y, je pouvais pas embrayer. Du coup, il a fallu le racheter. Obligation professionnelle. Donc regardez-moi ça, les mecs. Oh là là là. Ça fait plaisir, ça, les mecs. Là, je suis content parce qu'il fait beau, il fait chaud et on fait de la moto. En plus, ça rime. Du coup, voilà, que une petite butée de sortie d'embrayage. Donc il y avait juste une micro fissure. J'essaie de vous montrer la pièce. Je crois que je l'avais en photo. Et sinon, je vais vous montrer la pièce que j'ai changée. Comment elle était celle d'avant. Il y avait juste, c'était un petit peu fissuré genre vers ici, mais genre léger, vraiment un tout petit truc. Et bah c'est ça qui serrait pas assez pour que ça fasse comme ça là, avec ça que ça puisse embrayer. Et du coup maintenant regardez, démonstration, voilà, ça embraye, voilà, content. Du coup voilà, je suis content. Et dans les commentaires vous m'avez incendié, ouais arrête de dire que c'est une panne, c'est qu'un petit cap d'embrayage et tout. Les mecs, c'est même pas un petit cap d'embrayage, c'est une butée de sortie d'embrayage. Non mais les mecs, je m'y connaissais pas, merci pour ceux qui ont été gentils. Parce qu'en plus on a eu 2000 pouces bleus, donc merci à tous ceux qui étaient gentils. Mais les dislikes, waouh, je crois 50 dislikes les gens. Ouais, tu racontes n'importe quoi, tu l'as pas cassé la moto. Les mecs, si je dois changer une pièce et qu'elle roule plus, c'est que la moto elle est cassée, bref. Là il y a tout qui allait, on a quand même vérifié. Tout qui allait, je sais pas si c'est français, mais on a quand même vérifié. Et bah du coup ça embraye nickel. Ça on a vérifié tout, bam bam, tout refait. Donc ça c'est mon père qui l'a fait, les mecs, hein. Tout est fait, je suis content, la bécane elle roule. Il fait beau, quoi de mieux, j'ai envie de vous dire. Quoi de mieux, voilà, pouce bleu. Mes pouces bleus, mes pouces bleus. Ah aussi regardez, une nouveauté, bon c'est pas mon nouveau casque. Je l'ai emprunté, les mecs, voilà. Donc là il n'y a pas la GoPro, c'est pour ça que je fais pas des plans GoPro. Mais sinon j'ai un nouveau casque pour rouler. Mais je peux pas coller la GoPro dessus parce que le casque je l'ai emprunté. En attendant de trouver mon nouveau casque. Voilà, j'attends toujours de voir s'il n'y a pas une petite bonne affaire, un petit casque assez cool qui suit avec la moto autant qu'à faire. Ça serait stylé, non? Où je suis? Ouh, tu es toute jolie. Ouh, autocollant, carénage d'origine, ça c'est propre, ça c'est propre. Regardez, on peut démarrer au pied ou à la main. Même à la main ça démarre. On va dire, je suis pas un professionnel, mais je sais que c'est possible. Je sais que c'est possible. Attends. Voilà, c'est ça qu'on. La bécane, elle est whipper. Elle est whip à oui. Tout va bien, tout fonctionne, c'est super méga chaud. Oh là, qui voilà un autre bolide. Danana. J'ai qu'une envie là. Attends, je plonge là en plus. L'eau elle doit être chaude, mais elle doit être dégueulasse. Vas-y. 1000 pouces bleus, je saute. 1000 pouces bleus, je vous promets, je reviens ici en moto. Hop, on se fait une après-midi là, on plonge et tout. Et on ramène des abos. Ok, on fait ça. Et je vous promets, quand je le dis, je le fais. Peut-être finir avec le sida ou le tétanos, mais vas-y, tranquille. Donc voilà les mecs, la pièce vient d'être remise. Donc comme je vous ai montré, donc la butée de sortie d'embrayage qui est juste là. Et vous pouvez voir que ça fonctionne, les mecs. Du coup, content. Du coup, c'est génial, quoi. Du coup, pouce bleu, non, ça fonctionne. On va pouvoir recommencer les vidéos en moto. N'empêche, ça va, c'était une mini casse, hein, c'était pas un truc. Tant que c'était pas une casse moteur, ça allait, parce que sinon après la moto elle aurait été immobilisée un peu plus longtemps, je pense. Aujourd'hui, les mecs, c'est mon dernier petit trajet sur ces routes, entre guillemets, parce qu'il va se passer un truc. Je vous en dis pas plus, vous allez voir dans les prochaines vidéos, mais on ne roulera plus dans cette ville. Ah, là, vous dites, attends Léo, qu'est-ce qui se passe? Tu nous abandonnes? Vous allez voir, les mecs. Du coup, je profite dernière fois dans cette ville. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant de qu'est-ce qui se trame, quoi. Mais du coup, voilà. Il fait méga chaud. Par contre, évitez de rouler, hein. Vraiment, évitez de rouler au max. Il fait une chaleur, c'est horrible. Heureusement que j'ai la veste été, parce que je vous jure, sinon je serais mort. Encore, je l'ouvre un peu, parce que sinon, même avec ça, tu meurs, hein. Et vous voyez, j'ai mis les petits gants là. Il est 17h30 et le soleil, il est toujours pas parti. On va faire une dernière fois la forêt. Je sais que vous aimez bien. Les mecs, je suis toujours à la recherche d'un pot que je pourrais mettre sur la moto. Du coup, si vous avez des conseils de marque de pot, moi je pensais à un Yazuni gris. Dites-moi ce que vous en pensez. Un Yazuni gris passage haut. Parce que vas-y, passage bas, bah je kiffe pas trop. Je le fais pour que vous aimez aussi la bécane, tu vois. C'est un peu votre bécane. Elle est le gros gamos là, il est encore là. Le gros 4x4 de chez Mercedes. Après, je sais qu'il y a Voca qui font des bons petits trucs rouges. Je sais pas si Voca c'est bien. Mais en tout cas, je veux un truc qui. Genre, ça modifie pas trop le bruit. Parce que si après c'est pour avoir une bécane qui crie comme une casserole, c'est horrible.
En plus, en vidéo, ça va rendre tout moche. Assez sympa. Regardez-moi ça, les mecs, c'est pas beau ça. Et pour ceux qui m'ont dit, mes disques d'embrayage aussi, parce que ça aussi c'est revenu pas mal de fois, que les disques d'embrayage pouvaient avoir un truc, j'essaierai de vous mettre une photo à l'écran de mes disques d'embrayage, ils sont nickel. Genre le moteur, il a jamais été ouvert depuis la sortie d'usine, genre il y avait encore le verre et tout que tu vois à certains endroits. Et bah les disques d'embrayage, nickel propre. Je les ai même emmenés au magasin spécialement pour demander un avis sur les disques d'embrayage. Et ils m'ont dit non, sincèrement, change ta butée de sortie d'embrayage et tu verras, tout va rentrer dans l'ordre. Et pour ceux qui me demandent aussi, Léo, pourquoi t'as deux rétros? Bah parce que je fais mon checking de GoPro, genre si ça règle bien dans le truc là ou dans l'un des deux. Du coup, quand j'ai deux rétros, bah c'est mieux pour vérifier que tout fonctionne. Ouais, c'est vrai que je pourrais l'enlever, je regarde pas forcément. Bon allez, là on va essayer de faire une petite pointe. Nah, là c'est beau, profitez les mecs. Aïe aïe aïe, on kiffe là. C'est le bonheur la campagne les mecs. Moi je préfère ça à la vie. Ah bah je suis déjà en 6ème, bah ma pointe elle est ratée. Ah là il y a de l'ombre. Bon j'ai un peu raté ma pointe mais bon. Pour vous montrer que même de l'origine derby, Ça roule. Là avec un pot je vais enfin me faire respecter. Bientôt des vidéos avec des collègues. Wesh wesh wesh. Ouais en fait je vais faire demi-tour les mecs. Ouais, c'est rien. Il y a à peine tout le monde qui me regarde. Mais c'est rien. Vas-y roadrage, allez regarde. Tu veux faire un roadrage? Vas-y. Là le garde là il est paumé dans sa forêt, il n'a pas le temps de me rattraper. Allez hop, allez c'est bon, vous pouvez l'appeler votre garde là. Je lui ai déjà mis une avance, le pauvre. Ah là c'est beau là. Je vous jure que c'est horrible, il fait trop chaud. La petite blielette là, elle est chrome. Oh, il y a une moto là-bas, ça bombarde. Nickel. Wesh, même à l'arrêt il me fait lever le couze. Aïe. En plus, il y avait un. C'est quoi ça? C'était un Z, ça, non? Pas toi. Toi, sympa. Toi, je vais te rattraper. En deuxième, je vais venir te dire bonjour. Non, sympa les mecs comme ça en vrai. Je suis sûr qu'il s'est dit, ouais, le petit, il y a une couille. Quand il y a 2000 likes pour 50 dislikes, j'estime que la vidéo elle plaît, tu vois. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de rouler avec tous les abonnés, les mecs. Mais après, ce qui va être cool, c'est que quand je vais rouler avec des abonnés, ils vont pouvoir me montrer des spots. Et du coup voilà, et pourquoi même pas faire une team Tu vois, parce que souvent la plupart des mecs que je croise à la base qui sont mes abonnés, quelques mois après c'est mes potes, tu vois. Tu vois, même en montée 70 facile, hein, juste en débridant. Et même, je vous l'ai jamais dit, mais je suis pas full débridé en fait. Je suis débridé tout sauf au pot. On va même pas m'entendre. C'est-à-dire que lors d'un contrôle de police ou quoi, s'ils veulent vérifier qu'il y a une bride dans le pot, la bride est dans le pot. Et dites-moi si on enlève cette bride, si on peut gagner encore en puissance. Du coup, ça c'est cool parce qu'en vrai, tu te fais contrôler, ils regardent ta bride. Et du coup, ouais, j'ai encore la bride au pot, mais j'ai plus de bride, tout ce qui est avant et tout là. De toute façon, vous pouvez le voir, hein, si t'es bridé, tu montes pas à 70-80 quoi. Enfin, j'ai jamais vu du bridé à 80. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Je compte sur vous dans les commentaires pour m'envoyer encore de la force. Si vous avez des idées de vidéos, des sujets à faire qui pourraient être cool en moto, si vous avez des questionnements, par exemple, quand j'avais fait les vidéos sur l'essence 150, combien ça coûtait, bah, si vous voulez que je réitère le sujet, mais avec d'autres trucs, par exemple, je sais pas, j'ai pas d'idées qui me viennent en tête, mais voilà, si vous avez des trucs, n'hésitez pas, l'espace commentaire, c'est fait pour ça. Et au moins, après moi, je vous satisfais en réalisant ce genre de vidéos. Ce n'est pas cool, ça? Il fait une chaleur. Wow, tu freines vachement, toi. Pour un dodan. Elle est rabaissée ta golfette ou quoi? Du coup, sur ces belles paroles, c'était Léo. N'hésitez pas à venir sur Instagram. À la semaine prochaine. Ciao. Oh, j'ai lâché l'accéléré. On se la refait. Ciao.